Un bistrot, c'est un café, une petite taverne, où les gens se réunissent le soir pour boire un verre, pour manger, mais surtout pour parler. Et il marche. Un château. Une forteresse. Un palais, on ne sait pas. Et quand ils sont devant la porte, quelle est grande. Alors, ils se mettent à pousser la porte. La porte s'ouvre. Oh, il y a des chaises, hein. Mais quand je vous dis des chaises, des chaises. Le Florentin s'efforce de manger la soupe, mais chaque fois qu'il met le cuillère dans l'assiette, plaf! Ah! La cuillère avec la soupe part de l'autre côté. Il n'arrive pas à se la mettre dans la bouche. Et il se met à remuer. Il dit à son maître: maître, maître, ça va piquer un peu. Ça va vous piquer un peu, beaucoup. Et il ne faut pas bouger. Oui, devait aller, monsieur Bief. Et un jour, en arrivant en haut d'une colline, un endroit où il n'était jamais allé, c'était trop loin de chez lui. D'habitude, il n'allait pas si loin. Qu'est-ce qu'il voit un peu plus loin? Et c'est dit, oh, ce petit être-là, il apprécie mon ombre. Je vais lui faire un peu de vent. Alors le baobab a remué un peu ses branches et s'est tombé un de ses fruits. Chplof! Je ne sais pas si vous avez déjà vu le fruit d'un baobab. Non, moi j'ai jamais vu. C'est un très gros fruit, ça ressemble à une pastèque. C'est délicieux, c'est très bon, c'est frais. Loupé dans le pagne, elle s'est fait une belle coiffe. Elle a vu les bijoux, alors elle a mis les colliers, elle a mis les bracelets, elle a mis les boucles d'oreilles. Et puis bon, peut-être les petits ne savent pas, mais vous savez, quand les femmes se font belles, il faut qu'elle le montre. Vous avez déjà entendu parler de la hyène? Oui, ouais, c'est un animal très vorace. Il veut tout. Il veut toujours tout. Ça n'intéresse pas. Elle est montée au troisième étage. Et là, il y avait tout de l'or, tous les perles, les bijoux. Et elle, elle n'était pas venue avec un petit sac. Hein. Elle est venue avec un sac énorme. Elle a commencé à tout prendre. J'en veux encore. Elle a tout pris. Elle avait changé de roi. Alors, eux, ils ne faisaient pas des élections. Ils faisaient un concours de grimaces. Celui qui faisait la plus belle grimace était le roi pour 5 ans. Aux arbres, tu prendrais les fruits, on se régalerait. Et le singe, il lui dit, ben arrête avec ça, tu sais très bien que je ne sais pas nager. Je ne peux pas y aller dans cette île. Et la tortue lui a dit, tu ne sais pas nager, mais moi, je sais nager. Tu montes sur mon dos et on y va ensemble. Tu ferais ça pour moi? L'âne, on le met dans l'écurie royale. On lui donne 3 fois plus de foin en Angers. On le brosse avec des brosses de soie. On le peigne. Voilà, nous sommes en guerre. Ne vous inquiétez pas, dit le roi. Sortez l'animal de combat dehors. Ils vont alors chercher l'âne. Ils ouvrent la porte, foum, un coup de pied. J'ai l'idée de descendre au fleuve. Et qu'est-ce que je vois? Je vois les ruines de quelque chose. Je vois les ruines en pierre de quoi? Vous voyez? D'un pont. Je vois un pont, les arches d'un côté et de l'autre.
dit, nous allons construire le pont, nous allons être meilleurs. J'avais un roi qui était jeune, ambitieux. Il étudiait tous les soirs dans sa bibliothèque, il faisait des plans et des projets. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Une pierre, deux pierres, trois pierres. Une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits. Qu'est-ce qui se passait? Tout ce que pendant le jour il construisait, la nuit se détruisait. Un pacte avec un seigneur qui n'est pas Dieu. Je n'ai pas ce genre d'habitude, dit le roi. Pourquoi? Sang de sang. De sang. Oh, wow. Du
3000. Donnez du si, majesté. Mes révérences, majesté. Ça se fait. Il est là. Tu es là, on t'a vu. Oui. Bonjour. Nous sommes les gardiens du roi. Oui, je vois. Et qu'est-ce que vous voulez? Le roi a besoin de toi. Besoin de moi. Mais moi, je suis un bon vous le disant. Tu n'es pas l'interprète des rêves. Est-ce que je suis là de près du rêve? Oui, matelot navigue sur les flots, t'es en périx, ça n'est pas plus.